David Meyer, bonjour, vous êtes CEO d'OpenCell. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Eh bien, OpenCell, c'est une société française d'une vingtaine de personnes et nous commercialisons un logiciel de billing, de facturation open source, basé sur des technologies Java, Red Hat, et nous adressons le marché de la souscription, c'est-à-dire nous sommes adaptés finalement au changement de paradigme, c'est-à-dire que les gens consomment plus de services et moins de produits. Exact. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Eh bien, en fait, tout simplement, nous venons du secteur des télécoms. Hein. C'est notre ADN. Comment ça marche? Eh bien, on prend en entrée des événements. Alors, des événements, ça peut être des tickets de consommation, des tickets de taxes. Mmh. Et puis, la première étape, on les passe dans une médiation. On les agrège les uns avec les autres. Et puis, on les valorise, ce qu'on appelle le rating. Donc, on va donner une valeur à chacun des petits bouts d'agrégats qu'on aura découpés. Et puis, on constitue une facture en mettant les lignes principales et les lignes secondaires. Vous expliquiez tout à l'heure que vous venez des télécoms, parce que les factures télécoms, elles sont extrêmement sophistiquées, c'est cela? Tout à fait. D'accord. Historiquement, on va dire que cette économie de la souscription, ce sont les télécoms qui ont ouvert le bal en faisant des forfaits où on était facturé au plus juste de sa consommation. Mais ça s'est répandu, et je vous donnais tout à l'heure comme exemple, la consommation de vos voitures. Avant, on achetait des voitures, bon, certains les achètent toujours, mais la plupart du temps, maintenant, on peut louer un véhicule la semaine, type smart, pour se déplacer en ville, une voiture plus familiale le week-end. Et faire du covoiturage. Faire du covoiturage. Tout à fait. Et puis prendre un utilitaire de temps en temps pour déplacer un meuble et être facturé à la fin du mois sur ce qu'on aura consommé exactement en termes de véhicule. Et donc, chaque mois, la facture est différente. Et c'est un agrégat de tous ces événements de consommation que vous aurez eu dans le mois. Alors, c'est valable pour le véhicule. Je vous citais également la musique. Hein. Avant, nous allions à la FNAC acheter un CD. Moi, je l'ai fait, en tous les cas. Maintenant, je pense que ça vous est pas arrivé depuis un certain temps. On achète les titres qui nous plaisent, point barre, c'est tout. Alors, on achète les titres qui nous plaisent, et puis surtout, on prend des abonnements à des opérateurs comme Spotify ou Deezer. C'est qui vos clients? Alors, on a des secteurs de prédilection. On est un billing généraliste, mais on a des secteurs de prédilection. Donc, par exemple, nous billons le cloud d'Orange, donc Orange Business for Cloud, typiquement, c'est une belle référence. Super, bravo. Et voilà, et j'interviens d'ailleurs tout à l'heure avec Jean-Luc Ringeval, le directeur du BSS, sur ce sujet. Attendez, ce qui veut dire que chez Orange, ils ont choisi votre solution, mais en interne, enfin, absolument, parce que votre solution, elle n'est pas en mode SaaS ou... Alors, elle est vendue en mode on-premise, c'est-à-dire installation sur le site du client. D'accord. Elle est vendue aussi en mode online. D'accord, ok. Mais là, ils l'ont choisi on-premise. Pour les petites sociétés, c'est quand même intéressant d'être en mode online. C'est super intéressant, oui. D'accord. Alors, sur les secteurs, il y a le cloud, pour finir d'accord. de répondre à votre Excusez-moi. Question. Excusez-moi. Oui. Non, je vous en prie. Il y a le cloud, il y a les utilities. On travaille avec le numéro 2 de l'énergie allemande, qui s'appelle RWE. En France, on travaille avec la Lyonnaise des Eaux. Et puis, il va y avoir évidemment l'Internet des objets, qui est un gros chantier d'avenir pour nous. On le sait, aujourd'hui, tous les fabricants d'objets sont en train de les rendre communicants et ils vont donc avoir besoin de facturer ces objets et leur consommation auprès des clients finaux. Et ça, c'est notre métier. Ça ouvre des grosses perspectives. Ouais, et votre modèle économique, il est basé comment? Alors en fait, donc, nous sommes open source, donc oui. Nous ne vendons pas de licence et de maintenance, nous vendons simplement du support, donc la communauté Edition est free évidemment, mm-hmm. Et puis sur la partie Enterprise Edition, qui est une licence business friendly comme on dit, eh bien, nous vendons du support lié au chiffre d'affaires de nos clients. D'accord. Et des professional services, c'est-à-dire l'intervention d'un architecte pour aider nos clients, soit dans l'accompagnement de la mise en place des nouvelles offres, soit dans la formation des équipes internes de nos clients. Super. Bah écoutez, merci beaucoup, David, merci et bonne continuation. Merci et bon salon. Merci.